Oui, bonjour, Guerrier. Comment y est? Eh bien, nous là, Guerrier. Nous là, en pile. Nous là, en abgoumé. Bon, et nouvelle là, tombée dans les oreilles où? Wap finance gang, wap baye gang zam, Canada d'où pap rentre la Kaili, et ou pap ka fait aucune transaction à moun ki dans pays Canada, sou gen de bien dans pays Canada, bien sa yo. Ou a perdu automatiquement, sous gain de l'argent, des comptes en banque, y a gelé. Dis-moi, et Laurent Lamothe, l'offre à prendre une nouvelle ça, à qui état d'esprit, nouvelle ça, rentrer dans les oreilles? Bon, premièrement, m'a salué Guerrier, m'a salué tout auditeur, auditrice, de côté la parole, et parce que nous connaissons une grosse émission qui remplit l'écoute internationale, locale, et dans quatre coins, le monde entier. Donc, félicitations pour ça. Et effectivement, Guerrier, mais après une nouvelle là, que Canada, m'a levé hier matin, et puis m'a recevoir sur WhatsApp, que m'a sujet à des sanctions de Canada, 3 à 10 ans, parce que m'a financé gang, etc. Et donc, moi-même, ou moi-même, c'est. Laurent Lamothe, est-ce que c'est l'autorité canadienne qui contacte ou bien ces nouvelles-là ou apprennent, même là, tout le monde? Non, moi-même, c'est sur WhatsApp, monsieur. Je ne vais pas recevoir aucune information du gouvernement canadien. C'est sur WhatsApp, monsieur. Même là, tout le monde. C'est sur nouvelle Internet, monsieur. OK, mais qui première impression et leur recevoir la nouvelle ça? Bon, il y a deux bagages. Premièrement, je trouve qu'il y a une légèreté dans les gens que le gouvernement Canada règle les questions. Hein. Parce que pour prendre sanction contre le monde, premièrement, il faut que tu aies gagné un minimum, un minima d'investigation qui fait. Il faut que tu aies gagné un rapport qui sorti, il faut que tu aies gagné des indices, et puis il faut que tu aies un motif tout. Parce que moi-même, je connais. Laurent Lamothe, en fait, tout le monde connaît que nous étions Premier ministre pendant 31 mois. Et si vous avez un monde qui a traqué gang, qui était des gangs, c'est bien Laurent Lamothe. Donc, nous trouvons drôle que je ne vous dis pas, et gouvernement canadien, dans tout le monde qui est dans le pays, qui est dans la gang, dans tout le monde qui est dans le pays, qui la question, qui la question banditiste, et puis c'est moi-même Kamboumet qui fait pratiquement tout élément d'après ministre Kamboumet contre bandit. Ma première fois, c'est la police nationale d'Haïti, et puis c'est sous moi, Canada avec moyen pour venir. Donc ça, c'est une erreur grave que Canada fait là. Pour qui ça, ou estimez-le son erreur, puisque ou même, ou fait partie de l'équipe bandit légale d'ailleurs? Michel Martelly présente comme tel, Laurent Lamothe bandit légal, toute équipe bandit légal le présente yo, et li pas prend pour contre, li prend ensemble avec Martelly. Ça veut dire que est-ce que dans structure, dans montage que nous avons fait, soit pour nous gagner élection, soit pour que nous te gouverner, est-ce que nous pas gagner dans équipe bandit légal, nous pas gagner connexion avec des bandits? Bon, et pour me répondre à une question, ça, premièrement, il faut nous faire différence entre un chanté et pour une vidéo, et puis un gouvernement. Moi-même, je ne pas dans le gouvernement, je ne pas dans la question banditiste, et tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît la position de Laurent Lamothe vis-à-vis de bandits. Et ça, je crois que tout le monde a reconnaître, parce que vous devez aimer Laurent Lamothe, vous ne devez pas aimer Laurent Lamothe. Ça, c'est le choix à part. Mais faut d'accord que le Laurent Lamothe là, pas de gain, kidnapping, pas de zone de non-droit. Ou t'es capable de sortir sans quelqu'un, ou t'es capable de sortir quelqu'un, t'es capable de vivre nocturne sans problème, t'es capable de touriste qui t'a rentré dans le pays, ou pas de paix pour t'aller vivre, parce que vous connaissez la police qui est là pour vous supporter. Donc, ça, ce sont des faits. Quand il y a question de bandits légaux, etc., moi-même, je ne vais pas souscrire ma logique, ça, parce que je ne vais pas bandit, même vous, mais pas de bandit. Non, mais vous dites pas bandit, mais à l'époque, les présents des bandits légaux, ou pas de jambes, on foi même. Ou pas de jambes, on foi même. Comme si, soit pendant des premiers ministres, ou pendant une équipe et bandits légaux, Jean-Michel Martelly présente là,
ou pas de jam dit clairement qu'on pas la donne. Ça veut dire que parce que ou est là peut-être il y a même joué on se godi n'a vinn nan fait la kounya n'a vinn nous va vinn nan fait là tout à l'heure mais ça sont informations un élément extrêmement important il reconnaît clairement que Michel Martelly présenté bandit légal parce que être bandit cela veut dire exactement ce que cela veut dire mais ou pas jamais dit le contraire les Michel Martelly t'a présenté comme un bandit et je dis hein pas oublier niveau économique et équipe peut-être Kalia ou bien niveau économique pour niveau économique Michel Martelly et avec toute question gang qu'a vinn je dis hein il était une promotion qu'a fait pour question gang nous tout est assumé et je dis hein il a essayé garder monde qui dans gang. Eh bien, sinon, Laurent Lamothe figurait dans la liste. Non. Excusez-moi. Je trouve que là, je assumé la question de gang. D'ailleurs, il y a des résultats. Si vous voulez me changer de mot, vous avez des bandits. Non, mais ça, c'est une appellation qui est extrêmement intéressante. Non. Ça veut dire que, regardez, pas oublier que ça fait 8 ans que je ne suis pas premier ministre encore. Ça fait 8 ans. Que m'ba nan primatia encore. OK? Et qui ça résultat depuis l'heure que m'quitté a? Est-ce que sécurité a li augmenté? Est-ce que moun senti au pire en sécurité? Est-ce que senti que comme si m'da tout yo pas inquiété, yo ka prend la rue j'en voulais? Ou bien est-ce que depuis 2014 moun dégringolade? Donc il faut rester sur les faits parce que les faits sont importants. Kounya la question de jeu de mots. OK, de bandit légal, n'a pas parlé de mon chanson, de mon chanté. D'ailleurs, c'est une seule fois que me dit que Michel Martelly était référé à ça. C'est une musique qu'il a fait, musique taxi, dans une vidéo. Donc là, n'a pas parlé de entertainment, n'a pas parlé de chanté, nous va parler de bail sérieux qui s'est juste en pays. Ah, ou quand même. C'est un pays, ils ont bail sérieux que. OK, mais on vit dans ça qui est plus sérieux. Et. Moi songe, nous sommes en 2013. À l'époque, tu as un parlementaire, député Delma Taba, qui t'a indexé ou bien présenté des dossiers. Quand il parlait de 200 Galil que et Salim Soukar était al prend personnellement. Et des Galil Zaro, c'est ou même qui t'a gagné gestion, c'est ou qui t'a fait commande. Et un peu plus tard, il va le retrouver en pile dans Galil Zaro, dans des bases. C'est même Gon Galil que tu as trouvé juste dans le pays Jamaïque. 200 Galil ça yo que Anel Belize a toujours dit qui disparaît, qui vient prendre un douane aéroport, personne ne pas qui côté au fait. Et qui sont qu'à répondre de 200 Galil ça yo? Premièrement, mais vous yo un document que moi trouvé dans l'archive, qui sont documents de la police nationale d'Haïti, qui c'est accusé de réception et de livraison de pas 200 Galil, mais 1000 Galil que CSPN a commandé pour la police nationale d'Haïti. Donc, question de 200 Galil que Anel Belize a parlé, okay? Anel Belize a me voyé monter. Je vais aller rentrer dans la question de polémique avec Anel Belize parce que, encore une fois, les faits restent les faits. On est dans les faits. On va nan voye monte. CSPN nan, gouvernement que m'tap dirige à l'époque là, t'es constaté que t'es gagné une situation côté police là, pas bien rien nan men. Dernier exam que t'es commandé, ok, ou d'ailleurs pas même commandé ça, mais que c'est exam l'armée d'Haïti que t'es gagné, t'es gagné équipe de ville et M1 avec tes 65 dans men. Donc, là que nous venons, nous faisons une commande globale pour la police nationale d'Haïti. Et nous faisons une commande globale ça pour exactement 15 000 pistolets Taurus que nous commandons dans le pays Brésil. Nous commandons 5 000 fusils 12 Taurus que nous commandons dans le pays Brésil. Nous commandons 1000 Galil dans le pays Israël pour unité spécialisée. D'ailleurs, toute unité spécialisée police dans Corée, je veux dire, que ce soit SWAT, BRI, que ce soit SIMO, UDMO, toutes ces commandes, c'est dans la commande Galil, ça, c'est dans la main. Donc, tu as
Et là, on a parlé en 2013. OK, en 2013, police l'a recevoir. En plus de ça, CSPN est commandé pour la police 5 blindés. Ça a eu les timagades. Aujourd'hui, il y a 4 qui en panne. Nous restons une seule maquette. Et ensuite, nous avons commandé 4 ou 5 camions de l'eau. OK? Donc, ça, c'était comme un global pour la police nationale d'Haïti. Qu'on y a là, pour nous voir plus d'informations toujours, une question de commande spécifique Galil là. OK? Gagner un certificat définitif d'accusé de réception qui émet le 8 août 2013. OK? Par la police nationale, la direction de logistique. Qui dit que je recevrai le 5 mars 2013 une quantité de 200 fusils Galil, modèle ACE-22. Ensuite, le 11 juillet 2013, une quantité de 500 Galil, modèle ACE-22. Ensuite, le 8 juillet 2013, une quantité de 300 Galil. Donc, ça, c'est date exacte avec modèle Galil qui était recevoir et qui vont au total de 1000 fusils Galil qui recevaient dans la direction logistique de la police. Et document signé par le directeur de la logistique, M. Yves Stock, alias Chupa, qui fait le jeudi 8 août 2013. Donc ça, c'est pour nous répondre à vous et monter. Bluff, et puis une campagne médiatique de bas niveau. OK? Et puis, nous n'avons pas même temps pour documenter eux-mêmes. Tout document là est disponible. Bon, d'ailleurs, nous avons posté des documents sur le compte Twitter, mais tout le monde a pu aller, tout le monde a pu apprécier pour eux. Qualité menti. Qualité menti que y a depuis l'homme qui était match, il y a. Depuis l'homme qui était primatif, parce que, excusez-moi, l'homme dans primatif, il faut comprendre que nous avons mené une bataille contre plusieurs gangs mafias, contre plusieurs réseaux mafias. Plusieurs réseaux mafias, nous avons boumé contre eux. Nous avons boumé contre la mafia contrebande. Pas oublier que premier formal sous, l'homme fait monter comme premier ministre, premier bataille là, c'était sous frontière à Kenali. OK, nous montrons task force. Anti-contrebande, qui a plusieurs unités là-dedans, et plus que 40 policiers pour te contrôler les frontières. La preuve, recette douanière qui a augmenté considérablement. Ensuite, nous avons fait une bataille contre gang avec kidnapping. D'ailleurs, kidnapping a été à un niveau presque à zéro à l'époque. Ça. Donc, tu as un travail qui t'a fait contre une série de réseaux mafias dans le pays. D'ailleurs, je pense que tout le monde va reconnaître. Deux ans plus gros réseau mafia, ils viennent démanteler sous gouvernement, qui était réseau et social familial d'un côté, de l'autre côté, Clifford Brett. Donc, M. Sayo, OK, la police, là, c'est pas même gouvernement, c'est la police qui a fait travail, qui a identifié M. Sayo dans des activités louches, et puis, ils mettent en accord. Laurent Lamotte et Clifford Brett est sauvé. Moi connais histoire li on si j'en fraîche dans l'esprit auditoire pour canter la parole yo puisque nous fait appel à lui très souvent mais pas focus seulement sur sous question de financement gang ou bien association et gang et autres yo parle tout de blanchiment d'argent, blanchiment d'avoir et tout ça yo et moi connais côté premier ministre bon depuis un certain temps ou pas dans pays avant mais après tout quitter pays hein. Et est-ce que Canada va gagner enquête la peine sous de biens qu'on gagne, de richesses tout à fait dans le pays? Hein? Parce que y a pas arrêté focus seulement sous question de questions financement gagné ou autre. Mais il y a l'autre accusation tout que vous mettez, tant que blanchiment d'avoir, et puis il y a l'autre question encore. Parce que moi-même, pas voulu focus sous ça seulement. Et comme vous êtes premier ministre, en termes de son gain et investissement qu'on va faire, est-ce que ce n'est pas de l'argent qu'on prend dans le pays et puis on va investir de l'autre côté? Parce que vous regardez tout paramètre ça. Bon,
et gagner ma réponse à la question ça très simplement. Yo prend deux ou trois accusations et puis mettez-le pour tout le monde. Donc vous gagnez 9 points sur liste là, 9 points qui très différent de l'autre. Vous gagnez des anciens présidents. Et là, je ne vais pas parler ni pour ancien président, ni pour ancien premier ministre, ni pour ancien parlementaire, sénateur. Je ne vais pas parler pour Laurent Lamont. Abdou Samré, même, je connais. Okay? Et ça, même, ce que je connais, c'est que Canada sorti avec des sanctions que vous dites, qui c'est principalement financement de gangs armés dans le pays. Alors que vous pouvez regarder, l'on fait une accusation comme ça. Au moins, il faut une enquête. Et ça, c'est selon l'état de droit. Font enquête. L'on fait faire enquête. L'enquête, la boîte qu'on a là. Une série de monde. Surtout en 2022. En 2022, il est très facile pour faire sur les traçabilités des fonds. Ça veut dire que si on dit que on va faire blanchiment, par exemple, on vient dire, OK, on va faire blanchiment, mais qui est-ce qui a blanchiment? OK? Mais numéro de compte. Qui va observer pour faire blanchiment, mais qui est-ce qui recevait, et puis à quel fin que recevait. Non pas qu'à briter au fond plongaillé ou vont parler et vous dites que vous avez fait blanchiment ou bien pour un financement gang. Mais même c'est pour ça que moi je fais un communiqué, je dis à demander, bah, qui bien simple. Nous disons que nous avons un financement gang, très bien. Mais dit un chiffre, nous dit OK, qui gang, qui l'aime financer gang, yo? Côté gang, yo, ensuite, viens avec une preuve publique. D'ailleurs, je ne veux pas même dire que je vais mettre le public. Mais comme il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de indice, il n'y a pas de preuve. Donc, moi-même, je me dis, nation, que là, pratiquement, je trouve que le Canada, faut vérifier sous information. Parce que sous information, c'est une source qui clairement. Un discrédit politique, ok, by Laurent Lamont à l'ancien de l'autre monde. Mais, parce que nous avons deux dernières questions. Mais Laurent, il faut me dire clairement que ce qu'on dit là dans la radio, ça peut être tout dit matin dans la métropole, il n'y a pas de changer et décision Canada, ou comme ça. Mais même ça qui était non mais est-ce que tu connais ça tout, ça veut dire que bin radio parler dans radio il pas changer décision Canada. Non mais c'est pas c'est bonjour yo Canada applique une décision, OK, son officiel haïtien, OK, sans enquête, sans investigation. Non, yo ou pas qu'a dit enquête. Faut-on. Non. Est-ce que d'accord que faut-on ou pour qu'on gagne finalement? Yo pour bon hein. Ou pour faire demande dossier. Ça veut dire que un dossier à venir chez nous. Mais faut demande dossier, mais demande que le dossier en public samedi. Mais faut demande. Et même en plus de ça, en plus de ça, non seulement ça pour que gagne une enquête internationale neutre qui fait sous question financement gang en Haïti. Premier monde qui demande enquête, ça c'est et moi réitérer demander. Parce que tout le monde connaît qui a financé ça. Derrière tout le monde connaît qui a financé gang dans le pays. OK? Tout le monde connaît gang yo même yo plus médiatique que même gouvernement lui-même. Et gang yo même plusieurs fois parler, yo dit mais qui a financé. OK? Donc on va prendre un sérieux dans la dia. Si nous devons faire un bail sérieux, il faut nous être conséquents avec nous. Est-ce que Laurent Lamont engagé. Je dis à tout le monde qui est créé gang. Est-ce que Laurent Lamont déjà engagé un cabinet d'avocats pour que les suivis qu'a fait dans la question et sanctions au prend contre l'IA et que le gouvernement canadien prend contre? Est-ce que vous avez une firme avocat qui travaille sur le dossier ça? Ça, c'est la moindre des choses. Ça, bien sûr que oui. Non, si c'est pour ça, nous allons défendre nous comme ça doit. D'ailleurs, nous ne pouvons jamais suspendre. Nous ne pouvons jamais suspendre et faire ça. OK? Ça, c'était une autre accusation encore que vous faites. Que nous allons défendre parce que j'aime nous dans tout le monde. Ça veut dire que si vous venez avoir une accusation, nos pays, nos états de droit au Canada, et Canada, si son état de droit lié, la connaît que le pas fait n'importe accusation contre n'importe qui est, sans preuve. Sans même un indice. Et puis je sais quoi le motif. Qui est-ce que le motif là?
Yo a même un motif. Yo un député t'a parlé dans l'air qui font plan gaillé parce que en question de justice quand ça on est différent de l'autre. On va faire les interviews et voir vous et monter. Pour combiner avec des indices. Qui député ça? Qui député ça? Non, on va connaître. Sur WhatsApp. On député, on va connaître si son député haïtien canadien, on va connaître. Ok, mais vraiment dernière question, Laurent Lamotte. Est-ce qu'on gagne des biens dans le pays Canada? Ou gagne avoir dans le pays Canada? Matin, te répond une question dans le point, non, on va gagner. Ou pas gagner Canada? Non, on va gagner Canada. Et États-Unis, pas reproche rien en plus. Ça veut dire l'administration américaine, non? Il pas reproche rien. Guerrier, Menzo, Laurent Lamotte, pas dans question kidnapping, pas dans question gang, pas dans question blanchiment, pas dans question de criminalité. Laurent Lamotte, gourmet contre Bayaï Sayo. Et tout le monde connaît, et tout le monde j'aime tout là, même ça me trouve qui doit là. C'est que faut pas qu'on suspende l'hypocrisie dans le pays. Parce que tout le monde connaît qui est-ce qui est le créateur des gangs. Qui est-ce qui crée les gangs dans le pays? Tout le monde connaît qui est sur Yvonne Babedil. Tout le monde connaît qui est lié. Qui est-ce qui crée la médecine en chef, la lait rouge? Qui est-ce qui crée? Est-ce que c'est Laurent Lamotte qui crée? Ou bien c'est Laurent Lamotte qui vous met contre eux? Non, sérieux, mes amis. Non, mais Laurent, pas seulement gagne la médecine en chef de la lait rouge, non. Parce que là, Kounia, gagne un grand ville. À l'époque. Vous comprenez? Bah, oui, mais l'homme de là, Kounia là, mais pas obligé, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je quitte le poste de premier ministre. Ça fait 8 ans que je vais en tout cas, je ne suis pas responsable. Excusez-moi, Guerrier. Excusez-moi, je ne suis pas responsable. L'homme de là, tout ça, je vais c'est l'homme de là. L'homme de là, pas de gagner toute gang, ça, toute prolifération de l'insécurité, ça. Pas bien toute souffrance que mon y a subi aujourd'hui des kidnappings de personnes là caillou pas bien là avant ça en tout cas Laurent Lamotte ça faut le connaître ben moi souhaiter ou déjà bonne chance puisque ou bra le gain pour aller gérer question ça dans tribunal parce que c'est vrai que ou pas la pays là et ou bra le gain pour gérer ça dans tribunal de préférence parce que là ça pas breeding dans décision Canada prend et ensemble d'intervention qu'on fait yo mais nous va suivre dossier ça puisque ou même ou déjà annoncé clairement que cabinet d'avocats va faire suivi sur question ça ou déjà mandé pour yo communiquer yo et dossier a pour capable de quoi il en est merci et pas oublier tout ça qui est important c'est que même mandé en plus de tout ça même mandé pour que yo fait yo enquête internationale neutre sur question financement gang en NBA. Merci un peu, Laurent Lamotte, à bientôt. Merci un peu, Guerrier, merci un peu, auditeur, auditrice. Vous plantez la parole, merci un peu. Merci. Et Laurent Lamotte, qui va le gagner pour que l'on fasse suivi sur question ça. Et puis,